Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fusil Springfield 1903, fusil américain. Donc, c'est une arme qui fut produite de la Première Guerre mondiale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La particularité de cette arme, c'est qu'elle est d'une conception relativement exceptionnelle au niveau du mécanisme et dans son intégralité. Alors, le fusil, premièrement, le système de culasse. La culasse du fusil Springfield, le mécanisme de la culasse, est soi-disant copié sur le fusil Mauser. Donc, deux tenons à l'avant, donc on les voit de part et d'autre, qui viennent se verrouiller au niveau du boîtier, et un troisième tenon en partie arrière, comme sur les fusils Mauser, qui vient se verrouiller ici. Au niveau de l'arme, une sécurité qui est ici, en partie arrière, un papillon. Donc, même principe que ce qu'on trouvait à l'époque chez les Allemands. Grosse particularité de ce fusil, hein, faut pas oublier qu'il a été conçu en 14, en 1903, mais qu'il fera office en 1914, hein, pendant la Première Guerre mondiale, c'est que à cette époque-là, on n'utilise pas forcément les munitions qui sont dans le magasin. On va, en fonction des conditions, utiliser l'armement munition par munition. Alors on a, à cet endroit-là, un petit bouton, un cut-off, qui permet, soit, comme je suis là, de ne pas reculer plus la culasse, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les munitions qui sont dans la lame chargeur en partie inférieure, on va approvisionner coup par coup, hein. Soit, si on a besoin d'une cadence de tir supplémentaire, on va passer sur le mode on, et là, la culasse recule en intégralité et permet d'approvisionner systématiquement en utilisant les munitions qui sont dans la lame chargeur stockées en partie inférieure, dans le magasin. L'approvisionnement de ce fusil, il se fait d'une façon très très simple, hein. Les lames chargeurs de 5 coups que l'on va utiliser, on va positionner dans le fraisage qui est dédié à cet effet la lame chargeur, et on aura juste à faire la pression pour faire descendre les 5 cartouches dans le magasin qui est en partie inférieure. Au niveau de l'arme, on a en partie inférieure le magasin. Donc là, on voit le magasin qui est en partie inférieure avec l'accès par ces deux vis qui permettent de démonter et de faire le nettoyage éventuel, hein, si besoin, de la partie magasin, donc où il y a le ressort et la planchette élévatrice. Pour le fusil, alors à cette époque-là, c'est quand même assez novateur, le fusil est monté avec une hausse tangentielle qui a la particularité d'être extrêmement précise, même sur des longues distances. Pourquoi ? Parce que ce fusil, donc sur une distance telle que l'on a jusqu'à 200 mètres, on va tirer avec la hausse baissée, hein, et on a un organe de visée ici, et dès qu'on veut tirer sur des distances plus importantes, on lève la hausse, et là, on a la particularité de pouvoir régler son tir sur des grandes distances, et de pouvoir régler également, hein, les éventuelles modifications, hein, dues aux éléments climatiques, le vent par exemple. Voilà. Autre chose qui est importante, au niveau de l'arme, on a un guidon qui est extrêmement fin, hein, qui est monté lui aussi sur queue d'aronde, ce qui permet de pouvoir le déplacer si besoin, si vraiment il y avait un choc important. Au niveau du guidon, à cette époque-là, il y avait un petit accessoire qui existait. Hein, cet accessoire se mettait par-dessus et venait protéger le guidon. Donc voilà l'accessoire qui était dédié. Voilà, on voit bien, si on le met en place par-dessus, il vient exactement à l'emplacement, il se bloque dessus et il permet de protéger le guidon. Le fusil a un embouchoir avec le tenon de baïonnette. Donc, sur le fusil de 14, c'est une baïonnette particulière qui va. Sur le fusil de 40, ça sera une autre baïonnette. Ces deux baïonnettes, elles ont la particularité d'avoir le crochet typique américain, hein. Donc c'est ce petit crochet qui va systématiquement, hein, s'adapter sur les ceinturons américains ou sur les cartouchières. Donc là, en l'occurrence, voilà la baïonnette qui va sur le fusil. Le fourreau est entièrement recouvert de cuir, hein, donc c'est vraiment une pièce magnifique qui est très difficile à trouver. Et la mise en place de la baïonnette se fait telle que celle-ci. On positionne la baïonnette et lorsque l'on veut enlever le fourreau, il faut faire une pression ici, sur le petit bouton, et là on libère le fourreau. Donc voilà. Alors, sur la baïonnette, il est inscrit, alors je ne sais pas si on va arriver à le voir, mais j'essaie quand même de vous faire voir, US. Alors, US, de ce côté-là, et de l'autre côté, hein, on a, au niveau de la baïonnette, l'année,
donc 1906, La Grenade et RIA. Donc, voilà la baïonnette d'origine positionnée sur le fusil. Donc là, on est sur la baïonnette de 14. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire qui est intéressant à savoir sur ce fusil-là ? Alors, la particularité des Springfield, c'est qu'ils ont, dans la crosse, ils ont le kit de nettoyage, le kit d'entretien. Alors, ce kit, c'est tout simple. Quand vous le regardez, il y a deux bouchons. D'un côté, vous avez l'huilier. Donc, l'huilier, c'est un récipient avec une petite tirette qui permettait de prendre l'huile et de le positionner pour faire le graissage qui était nécessaire. Et de l'autre côté, vous allez trouver le kit de nettoyage du canon. Alors, vous allez me dire, pourquoi il y a ce côté noir ? Ben, ce côté noir, c'est le côté qui va contre la trappe dans la crosse et qui permet d'éviter que l'huilier, quand on court avec le fusil, ne se déplace et tape contre la plaque et fasse du bruit. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce petit côté qui est comme du caoutchouc et qui permet d'amortir le son. Et à l'intérieur, on trouve la ficelle avec le petit accessoire de nettoyage. Voilà. Et donc ça, ça se loge directement dans la crosse du fusil, en partie arrière. Voilà. Cette partie vient ici. Alors, le fusil Springfield, c'est un fusil qui a une réputation extraordinaire, qui est considéré comme le fusil le plus précis, et d'ailleurs, il a souvent été équipé de lunettes pour en faire des armes de tireurs d'élite. Donc, vraiment une très très belle arme. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, le fusil va être équipé d'une autre baïonnette qui ressemble à la première. La particularité qu'elle a, c'est qu'on a des plaquettes qui sont complètement différentes, puisque là, les plaquettes sont en plastique, du moins, c'est une sorte de polymère, et qui permet, qui va être pris d'ailleurs sur les fusils Garand, et on va utiliser énormément de ces baïonnettes pour les transformer en fusils Garand. En baïonnette pour Garand, on va les couper de manière à ce qu'elles soient raccourcies. Là, on voit la baïonnette, alors je ne sais pas si on va arriver à le distinguer sur la vidéo, je le doute, US avec la grenade au milieu, et 1942, puisqu'il correspond, la baïonnette correspond à l'année de l'arme. Voilà. Je vous ai présenté ce fusil Springfield 1903. Donc, c'est vraiment une très très belle arme, arme mythique dans les armes américaines. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, écoutez, continuez à regarder mes vidéos, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.